J'ai dit comportement, bah ouais les gars, s'il te plaît, j'ai l'air doucement. Vidéo. Allez, on enlève ça, madame. Charline, découvre ton visage. Ça fait comme pour les pièces d'identité. Découvrez votre visage, les cheveux derrière les oreilles. Enlevez votre couvre-chef. Pas de piercing ni de lunettes. Ne souriez pas. Ayez de préférence une tête de terroriste. Vous êtes prêt pour prendre votre photo d'identité. Cheese. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude, qui change même un petit peu totalement parce que je l'ai jamais faite. Mais là, je me suis dit, c'est l'occasion. Je suis absolument blanche comme un cul à cause de la lumière. Merci l'hiver. Oh Wimboé. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à vous. On va s'intéresser à vos commentaires, aux commentaires les meilleurs comme les pires. Il y en a certains qui font plaisir, mais qui sont un peu chelous. Il y en a certains où vous vous foutez très clairement de ma gueule, et c'est un peu pour ça qu'on est là aussi. Il y en a certains qui sont pas très 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 gentils, et ça me fait un petit peu de la peine quand même. Non, je déconne. Et il y en a d'autres, Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire parce que ça fait, bah, comme voilà, ça fait 3 semaines que j'ai pas publié de vidéo. Du coup, moi je vous laisse tout de suite avec la suite. C'est parti. Premier commentaire. On va commencer d'abord par les commentaires qui sont plutôt gentils, qui sont même des témoignages d'amour, mais qui des fois partent un petit peu trop loin, je l'avoue. Je vais essayer de mettre le ton. Céline, je t'adore trop. Continue comme ça, Macha. Tu es ma youtubeuse préférée. PS, vous chantez plutôt bien. Le truc, on voit au début, déjà, il part sur un mauvais prénom. Et puis après, en milieu de phrase, elle pète un câble. Mais bon, en tout cas, c'est un gros témoignage d'amour. C'est explicite, quoi. Bon, t'es belle et crazy. J'espère avoir une copine autant que toi. Cœur. Non mais celui-là il est énorme parce qu'au début le mec on dirait qu'il est saoulé, genre bon t'es belle et crazy. Est-ce que ça va faire genre bon t'es cool mais je t'aime pas? Bah écoute, je ne savais pas que j'étais autant que ça, mais voilà. Oui, j'espère aussi que tu trouveras une copine autant que moi. Ok. Il y a ceux qui sont un petit peu plus dragueurs, donc là j'en ai mis qu'un, mais qui parle de lui-même. Voilà. Darieda. Tellement sexy. Accessoires s'il vous plaît. Elles sont sur ma tête. Quel âge a cette demoiselle magnifique? Oui, parce que moi les gens qui m'envoient des commentaires de ce genre, en général je les imagine avec ce ton de voix un petit peu suave, un petit peu crooner, tu vois, genre un petit peu séducteur dans l'âme. Mais ce qui me fait le plus rire, c'est Guillaume Laferrini, je sais pas comment on dit, je ne parle pas italien. Avec l'Italie, le drapeau de l'Italie sur l'Italie. Toi, je pense que tu es fière d'être italien. Et surtout, tu perpétues le cliché et le mythe de l'italien séducteur. Boum, t'es le meilleur, putain, t'es le plus méchant, je t'aime. Boum, je crois que tu es un admirateur. Guéri MC, si tu passes par là, voilà. Moi, je peux faire la médiatrice entre toi et Boum si jamais vous le voulez. Y'a pas de problème. En plus, j'ai clairement l'habitude, moi, de faire conseillère conjugale pour mes amis. Pas pour moi, heureusement. Alors après on a les commentaires qui s'attaquent plus particulièrement à mes potes. Et je sais très bien que votre... Putain j'ai fait en mode Sarkozy là. Je sais très bien et ne le niez pas que votre victime, votre cible préférée c'est Noah, évidemment. C'est trop facile. Même sans cocaïne c'est une droguée ta pote. Mais c'est vrai, je te l'accorde. Sous ma vidéo j'ai des tocs, il y en a aussi des pas mal. J'aimerais pas être à côté ou en face de toi. La femme qui parlait à ses doigts. Arrêtez de me juger, c'est pas gentil. Alors, celui-là, c'est un de mes préférés parce qu'il m'a fait mourir de rire. Et tes films de cul, c'est quoi en ce moment? Trop lolol, XD. Ouais, comme tu dis, XPTDR, MDR, trop lilol, qui coule. Ça, c'est typiquement que le genre de mec que j'imagine en mode. Et sinon, c'est quoi tes films de cul du moment? Hein? Y'a mon papa qui vient de rentrer à ce moment-là, c'est très gênant. Lol, tu racontes n'importe quoi dans tes résumés, tu sais pas parler. Eh ben toi, tu sais pas écrire, nanana. Salut, est-ce que j'aurai mon brevet? Il me reste 76 points sans compter l'HDA et le contrôle continu. Répondez SVP, merci d'avance. Est-ce que tu crois que l'espace commentaire de ma chaîne est clairement l'endroit pour demander si tu auras ton brevet? Non,
Non. On a ceux que j'aime bien, les moralisateurs. Tu pars en moto à 16 ans, j'espère que tu es assez mature, parce que je trouve ça un peu tôt. C'est pas tout à fait une moto cylindrée, 25. Non, je déconne, je sais très bien que c'était pas méchant ce commentaire, mais bon, il m'a fait rire, sur le moment il m'a fait rire. Je me suis dit, laissez-moi vivre. Sympa cette vidéo, t'as de jolies vermicelles en plus. Celui-là il m'a tellement fait marrer parce qu'en fait dans la barre de commentaires je mets mais placez-moi ce mot dans votre commentaire. Ce jour-là donc le mot c'était vermicelle, mais là cette personne ne l'a pas placé hyper subtilement quoi. T'as de jolies vermicelles. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Moi perso ça, parce que j'ai un peu l'esprit mal tourné, genre moi direct j'ai des idées un petit peu coquinou. Bien la youtubeuse du 74, nouvelle dans le game, 7K, GG. Voilà, celui-là c'était gratuit, j'ai bien aimé. Je n'ai pas compris sur le coup, je ne comprends toujours pas. C'est du gros zizu. Pourquoi je prends tout le temps cet accent russe tout pourri là? C'est du gros zizu. Zizu. Et de quoi ça s'agit en fait? Tes manières sont des fois chiantes, tu copies un peu les manières d'Oria. On dirait que tu te donnes un air comme Shira. C'est trop bizarre, je regardais la vidéo de Anna RVR. Une fois terminée, automatiquement une des scènes s'est lancée. J'ai juste entendu son intro, hi bitches. Et après je clique sur ta vidéo et j'entends la même chose. Pourquoi tu fais comme Emma Dolly? Tu prends un petit peu les mêmes tics de parole et tout. Ces gens ne sont pas les seuls à s'exprimer de cette façon. Le YouTube 2016 me désespère de plus en plus. Ok. Et enfin, le meilleur pour la fin. Alors celui-là, je vais être obligée de le lire parce qu'en fait, la nana m'a fait une disserte. J'avais mon débardeur Nirvana et là, une thèse sur le fait que je bafouais totalement la philosophie de Kurt Cobain. Nirvana n'est pas une marque de t-shirt, mais une philosophie, une manière de penser, oui évidemment un groupe, mais qui reflète tout de même une certaine influence au niveau de ses fans. A vu de tes playlists, tes goûts musicaux et de ce que tu dégages de tes vidéos, cela ne montre pas cette admiration pourtant normalement si présente, mais plutôt faisant une référence à une mode. Ça m'embête quand même que tout ce que Kurt Cobain et ses amis aient voulu dégager d'une certaine réflexion au niveau de tous ceux qui écoutent leurs chansons, les paroles, je ne juge en aucun cas tes goûts, qui te restent personnels, mais ça me désole pour ce groupe qui devient juste une mode, un engin commercial. Peut-être que tu as présenté une de leurs chansons dans une de tes playlists, mais un t-shirt n'est pas utile pour prouver une admiration quelconque. J'ai lu ça. C'est sûrement pas partie de mauvaise intention, mais moi qui suis un peu susceptible, franchement des fois je comprends pas grand chose en fait. Bah là je me suis... Là? Quoi? Madame, je pense que tu es partie un petit peu beaucoup trop loin dans la réflexion, ce n'est qu'un t-shirt. Et je n'aime pas Nirvana comme un effet de mode, je veux dire j'écoute ça de toujours donc enfin... Ah ça rase. Allez, je vais finir la vidéo comme ça, on adore. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. Donc écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Les commentaires de ce genre, bah mettez-en moi parce que moi ça me fait tellement rire, mais genre vraiment. Et c'est pas une raison pour être méchant, hein. Mais bon, voilà. Enfin, vous me faites marrer en fait, voilà. Voilà, je suis absolument très bien coiffée, on adore. Je pense que comme ça, je vais pouvoir séduire notre bel italien Guillaume Laferrini, you know. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat. Mettez-moi un pouce bleu si jamais vous avez bien aimé la vidéo, si je vous aurais fait un petit peu rire, ou alors si tout simplement bah vous êtes un de ceux qui a mis ces magnifiques commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que bah voilà, si vous voulez me faire plaisir, un petit abonnement. Moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo et du coup bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Mouah. I know it breaks your heart.